Amis jardiniers, chers abonnés, bonjour. Ravi de vous retrouver donc sur le potager à proprement parler pour cette première fois pour l'année 2018. Alors nous sommes aujourd'hui en train de planter nos oignons à plus grande échelle que l'année dernière puisque je n'en avais pas eu assez. Ça passe par une plantation un petit peu plus serrée. J'ai mis environ 1,5 kg de bulbes d'oignons jaunes, 500 g de bulbes d'oignons rouges, puis en plus des échalotes, il y aura également un peu d'ail. Donc voilà, ça passe quand même par une densité de plantation un peu serrée. Je prends un risque de ce point de vue-là, un risque assumé. Hein, on verra bien ce que ça va pouvoir nous donner un peu plus tard dans la saison. Au sujet de la période de plantation, à une journée près, c'est exactement la même chose que l'année dernière. Ça avait très très bien fonctionné. On avait des oignons vraiment excellents qui ont très bien conservé malgré le fait qu'on les ait arrachés un petit peu tôt. C'est ce que beaucoup d'entre vous nous avaient rapporté comme remarque suite à l'arrachage de nos oignons. Donc cette année, on va vous écouter, on va les arracher un peu plus tard. Alors vous pourriez vous dire encore un film sur la plantation des oignons, c'était déjà le cas l'année dernière. Si je vous propose cette vidéo aujourd'hui, en fait c'est parce qu'on va procéder différemment de ce qu'on a fait l'année dernière, à savoir qu'on va planter sous foin. Alors avec une petite nuance toutefois, c'est que j'ai pris la peine de dégager mon foin préalablement. Donc d'ailleurs je constate que j'ai beaucoup de mal à retrouver le crottin qui a été étalé à partir de l'été dernier. Hein, fin de l'été dernier, j'ai commencé à apporter ce crottin sur les endroits qui étaient libérés par les récoltes. J'ai beaucoup de mal à retrouver ce crottin. Il est complètement assimilé par le sol. Hein. Donc j'ai dégagé le foin. En tout cas, c'est le cas sur cette parcelle ici. Sur d'autres parcelles où le crottin a été amené un peu plus tard, évidemment, il est du coup moins décomposé, hein, ça va de soi. Hein. On plante et ensuite je vais rapporter le foin par-dessus tout et les oignons devront passer à travers ce foin, hein, se frayer un chemin. Je pense que ça ne devrait en principe pas être une difficulté, je m'inquiète pas trop à ce sujet. Alors l'année dernière j'avais planté sur des petits talus en fin de compte, hein, j'avais buté légèrement et planté là-dedans parce que je craignais que mes oignons soient trop au contact de l'humidité et voilà, je voulais un peu surélever les cultures d'oignons à travers ces mini-buttes. Or, après une année d'observation de ce terrain, je m'aperçois que il est parfaitement bien rétenteur en eau, sans excès toutefois. Donc apparemment la chaux qu'on a apportée a joué son rôle. Puis après les apports de matière organique, etc., font que on commence à se rapprocher d'un sol de très très bonne qualité. Et du coup, je ne ressens pas le besoin cette année de procéder de la même manière que l'année dernière. Comment ça va? Ça va. Bon. Bon, voilà, je reprends. Donc la pause copain est terminée. Les copains, c'est important. Il faut savoir leur accorder du temps. C'est quelque chose qui compte pour moi, vraiment. Me voilà de retour avec vous. Donc, ce que je voulais vous expliquer également, c'est le pourquoi je ne plante pas directement à travers le foin. Eh bien, c'est que je veux m'assurer de la profondeur à laquelle je vais mettre mes bulbes, hein, c'est-à-dire environ 3 fois leur diamètre. Hein, si le bulbe fait 3 cm de diamètre, on va le descendre environ à 8-9 cm dans le sol. Or, à travers ma couche de foin, j'ai peur de ne pas maîtriser du tout la profondeur à laquelle je vais installer mes bulbes. Bon, c'est une considération personnelle, hein, ça ne veut pas dire que le faire à travers le foin, c'est pas bien, pas du tout. Hein. C'est pour mon confort en quelque sorte. Voilà. On verra ce que ça donne de cette manière. Le foin, je remettrai évidemment le foin qui était en dessous, le plus décomposé en premier, puis je remettrai le jeune foin que je viens de rajouter par-dessus. Bref, dans le même ordre que ce que j'ai enlevé, quoi. Voilà. Voilà, donc comme on peut le voir ici, réalisé par Séverine, la plantation s'effectue
avec un manche d'outils, puisque je n'ai pas pensé à me munir du plantoir conique qui fonctionnerait bien pour ça. J'espère juste ne pas trop tasser le fond du trou avec le bout de l'outil, mais bon, a priori la terre est vraiment très très meuble. Bon, je pense que ça devrait aller comme ça, quoi. Et puis ensuite, on va tout recouvrir, et puis on verra les verdures de ces oignons, je pense, assez rapidement passer à travers le foin. Un peu plus profond. Alors, une justification peut-être supplémentaire à la méthode dont je ne vous ai pas parlé. Sur les pointes de chacune de ces planches de culture se trouve le gazon fleuri qui est destiné à entretenir un peu la biodiversité sur le jardin, les pollinisateurs, etc. Et il y a beaucoup de phacélie. Et la phacélie, ça se ressème très facilement. Avec ce système, plutôt que celui de l'année dernière où les oignons de ce type-là étaient découverts, eh bien, ça va me garantir à peu près l'absence de travail de désherbage, disons, entre les rangs d'oignons. Et j'aurais eu un peu peur d'avoir ce travail à fournir, même si c'est pour désherber de la phacélie, au demeurant très intéressante, mais peut-être pas dans ce contexte-là, quoi. Un dernier petit mot, peut-être aussi sur ces étiquettes. Alors, je suis très content de ça. Vous voyez, les cadres trouvent une utilité supplémentaire. Il s'agit en fait d'un déchet industriel hein, que je récupère auprès d'un copain. Merci Seb. Voilà, ça c'est des morceaux de plastique qui sont retirés à l'emporte-pièce dans un process industriel et que je réemploie moi ici, voilà, de manière à savoir sous le foin, eh bien, déjà quels sont les endroits qui sont effectivement déjà colonisés par des végétaux, et puis de quoi il s'agit exactement, puisqu'on vient nommer les variétés sur les étiquettes comme on le ferait avec des étiquettes classiques, hein. Mais je trouve que de cette manière-là, c'est assez intéressant, c'est très lisible quand on parcourt les allées pour nous de dans ce sens, ça bouge pas dans le temps, et puis on peut les enlever, les réemployer voilà, à volonté, c'est vraiment très bien, très très bien. Hein, puisque quand c'est recouvert de foin, entre les parcelles qui attendent des cultures ou celles qui sont déjà plantées, sans ce système-là, évidemment, je m'y perdrais. Et ça permet de ne pas avoir à implanter des étiquettes. On a tenté hein, les petites étiquettes jaunes à piquer. Hein, on a tenté ça l'année dernière, bon, avec plus ou moins de succès. Là, je pense qu'on va gagner énormément en lisibilité. Alors ici, vous avez un exemple d'une des betteraves noires plates d'Égypte qui était tout à fait excellente, avec lesquelles on voudrait faire des graines cette année. C'est pourquoi j'ai gardé celle-ci, avec d'autres encore. Hein. J'en ai même sans doute gardé un peu trop. J'étais pas très sûr que ça fonctionne et finalement, je crois que je vais me retrouver avec avec une quantité de graines assez importante. La betterave rouge donc est une bisannuelle, donc l'année dernière, elle a développé son système racinaire, la betterave elle-même et son système aérien, comment dire, uniquement les feuilles quoi. Hein. Et cette année, elle va fleurir et donc produire les graines qu'on va s'attacher à récolter et à ressemer. Hein. C'est tout pour aujourd'hui. Hein. Je vous retrouve très bientôt avec grand plaisir sur le potager qui dit non. Bon démarrage à vous si vous démarrez également les cultures et puis je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.